You ain't heard of shit like that. Working all night, you know shit like that. Cutting people off, you know shit like that. Not enough money, but I spend it anyway. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mr. Smith. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir des flammes qui sortent de son véhicule. Donc, c'est vraiment un glitch super fun à réaliser entre potes ou quoi. Donc pour ce faire, vous devez avoir un véhicule, donc T20, NTT, Zentorno ou quoi. Donc ça n'a pas du tout d'importance, il faut avoir un véhicule, donc rapide ou pas, ça n'a pas du tout d'importance. Ensuite, vous prenez le bidon d'essence, donc pour ceux qui ne peuvent pas l'avoir, je vais vous montrer une méthode juste après. Et quand vous avez votre bidon d'essence, vous vous mettez vers les pots d'échappement et vous en versez sur les pots d'échappement. Donc faites en sorte que le plus... aille sur les pots d'échappement, même si ça va partir, c'est pas grave, tant pis, vous reculerez et puis bah, vous réavancerez, donc vous verrez par la suite. Donc là, vous en mettez plein sur un tout petit peu sur le derrière du véhicule et beaucoup par contre sur les pots d'échappement, parce que c'est le pot d'échappement le plus important. Et une fois que vous avez bien rempli, vous allez monter dans votre véhicule, vous allez avancer pendant 5 secondes et ensuite vous allez appuyer sur R1 et vous aurez des flammes qui sortiront plutôt de votre véhicule, et ça c'est vraiment incroyable. Donc là regardez, les flammes sortent, c'est vraiment impressionnant comme glitch. Franchement c'est un glitch à réaliser entre fun avec ses potes, et franchement c'est un glitch qui fonctionne plutôt pas mal la nuit parce que ça fait ressortir les flammes. Donc ensuite, pour la méthode, pour ceux qui n'ont pas le bidon d'essence, vous allez tout simplement vers les gros bidons d'essence orange. Vous mettez votre véhicule avec l'arrière bien en dessous des bidons d'essence et vous tirez au moins 2-3 fois. Et là, l'essence va sortir du bidon normal. Et si tout est par terre, donc c'est pas grave, vous reculerez et vous avancerez. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez avancer pendant 5 secondes comme tout à l'heure et vous allez appuyer sur R1. Et ensuite, les flammes sortiront comme tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment super bien comme glitch. Et franchement, c'est vraiment à réaliser entre potes. Donc si jamais vos potes ne connaissent pas la méthode, franchement, faites-le et ça peut les impressionner quand même. Et bien voilà les gens, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous laisse sur ces images. C'était Mr. Smith. Bye bye.